Elle doit d'abord assumer une fonction qui est double, être un objet et servir au dialogue ou au duel. De cette vocation complexe découlent plusieurs exigences. Celle de symétrie qui tient à la fonction et d'asymétrie qui répond au rôle. Le problème est résolu par l'adoption d'une composition symétrique et selon un axe oblique échappant ainsi à la formule complètement asymétrique qui eût satisfait au rôle mais eût contredit la fonction et à la formule inverse complètement symétrique entraînant un effet contraire. Ici aussi, il s'agit d'une situation complexe correspondant à deux formes contradictoires de dualité et qui résulte dans un compromis réalisé par une opposition secondaire entre l'axe idéal de l'objet et celui de la figure qu'il représente. Mais pour parvenir à cette conclusion, nous avons été obligés de dépasser le plan de l'analyse stylistique. À quoi donc sert l'arc aduvéo? Nous avons partiellement répondu à la question, ou plutôt les indigènes l'ont fait pour nous. Les peintures de visage confèrent d'abord dû sa dignité d'être humain. Elles opèrent le passage de la nature à la culture, de l'animal stupide à l'homme civilisé.